Au printemps, les amphibiens prennent possession des mares. Parmi les premiers à remettre le nez dans l'eau, on retrouve les crapauds. Les mâles se rapprochent des femelles et tentent de s'accrocher sur leur dos. Cette position leur permettra de féconder les œufs dès que la femelle les aura pondus. La lutte pour le dos de Madame Crapaud peut être acharnée. La femelle pond une quantité très impressionnante d'œufs. Cette technique est utilisée dans l'espoir que quelques individus survivent jusqu'à l'âge adulte. Les œufs sont pondus en chapelet dans la végétation et au bout de quelques semaines, les têtards éclosent.